Apparemment, il a été plutôt bien reçu. Ça m'a fait plaisir parce que j'avais vraiment peur, en fait. Oui, parce que dans les précédents, j'avais fait quand même des constructions littéraires assez compliquées, un peu pour me prouver à moi-même aussi que j'étais peut-être capable de construire des livres intelligents. Et en faisant le choix de faire quelque chose de plus simple, j'avais peur que ce soit aussi plus bête. Et donc, le fait que la réception ait été globalement favorable, ça m'a beaucoup rassuré. Intitulé à un roman Comment trouver l'amour à 50 ans quand on est parisienne et autres questions capitales, c'est évidemment un clin d'œil à, par exemple, à la presse féminine ou aux ouvrages de développement personnel qui proposent des solutions miracles. Et d'ailleurs, certains lecteurs l'ont acheté aussi en pensant que c'était un ouvrage de ce genre. Ils ont dû être déçus. Mais oui, c'était. Enfin, je voulais que ce soit quand même un livre avec un œil amusé sur les personnages et sur ce que ça raconte. Et je voulais que cette forme d'amusement soit sensible dès le titre. C'est-à-dire que si on ne le prend pas au sérieux, du coup, ça devient une clé aussi pour entrer dans l'œuvre. Je pense que en vieillissant, j'ai dépassé certains enjeux qui étaient problématiques pour moi. Et je crois que j'écris sur la résilience maintenant. Alors qu'avant, je n'écrivais pas du tout là-dessus. Donc, forcément, le ton change. Je n'ai pas envie de considérer qu'un livre donne une orientation définitive à ce qui va suivre. Mais c'est sûr que le travail que j'ai commencé là va encore porter sur une histoire de résilience. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'habite en ce moment. Précisément, ce qui m'intéresse dans ce genre de rencontre, c'est de vraiment rencontrer le public. Par rapport à tous les salons ou foires où on ne parle pas aux gens, je trouve que c'est beaucoup plus riche d'avoir un échange, enfin déjà de pouvoir s'exprimer devant une salle et en plus d'avoir un échange avec des questions. Voilà, je trouve ça c'est intéressant, ça apporte quelque chose aux auteurs. Donc en plus c'est tout à fait agréable aussi d'être invité, donc pourquoi pas. Ça renvoie à Joyce et Beckett, comme tout le monde. C'est-à-dire que quand on est français, qu'on fait ses études en France, on n'en connaît pas plus. Et même par rapport au gaélique, j'étais relativement surpris en arrivant ici de voir que tout était bilingue, par exemple. Ce sont des choses qu'on soupçonne même pas, enfin, vu de chez nous. Changer la vie comme thème, je pense que c'est un thème qui est suffisamment vaste pour pouvoir rassembler aussi des auteurs qui ont des propos différents, donc c'est efficace. Mais est-ce que la littérature change la vie? La mienne, oui. C'est sûr que d'avoir écrit des livres, ça m'a donné quelque chose de tangible à quoi me raccrocher. Voilà, le bouquin est là, il existe. Heureusement d'ailleurs qu'il y a encore des livres en papier parce que ça donne quelque chose de concret, l'objet est rassurant. C'est peut-être pour ça aussi que je vais mieux d'ailleurs. Et puis changer la vie des autres, alors ça j'en sais rien, ça serait très prétentieux je crois, pour un auteur de dire qu'on va changer la vie des autres. Mais peut-être qu'au fond on écrit quand même avec cet espoir-là. Parce qu'il y a des livres qui ont changé ma vie aussi. Donc pourquoi pas.